on a décidé de se replier là. Alors, je remercie la participation. Je vais commencer par qui parce que Dédé, quoi. Le plus vieux de venir. Non, c'est parce que t'es plus si élégant, t'as mis un costume de blue. Oui. Alors, donc Dédé Fauchon, hein, qu'on a présenté comme étant notre leader paysan. Jean Basset, le maire honoraire de Trégueux. Récemment, mais récemment, toujours. Ouais, c'est un nouveau titre. Hein. Oui, ça change rien. Claude Lenné, qui est le nez dans son bouquin. Et puis Christophe Lazé. Je vous expliquerai pourquoi. Christophe est là. Il est l'illustrateur de pas mal de nos actions. Voilà. Et je remercie aussi Mona Braz, conseillère régionale, d'avoir joué la carte de la fidélité. Convoiturage. Le convoiturage de Monsieur et Madame Morfouas, puisqu'on va aborder ce sujet-là tout à l'heure. Ce combat pour la reconnaissance de l'accident du travail de Thierry Morfouas. Merci, monsieur et madame Morfouas, d'être là présent. Et merci à tous les autres membres de l'association. Il en manque un certain nombre. Il y a aussi notre présidente des paysages. Alors, tu lèves le nez et tu me dis paysages. Agir pour les paysages. Agir pour les paysages. Voilà. Et qui habite aussi dans le secteur. Et monsieur, vous ne vous présentez pas, vous ? Alors, moi, je me présente, oui, je suis André Olivreau, président de l'association Sauvegarde du Pintièvre, et en ce moment, on parle beaucoup de sauvegarde, de plein de choses, donc je vais rappeler brièvement. Voilà, et merci aussi à notre représentant de communication du collectif Gaspard, vous savez, ce collectif qui se bat contre la centrale à gaz de l'Andivisio.